Salut à tous, c'est Fridouille91. On se retrouve pour notre let's play numéro 9 de notre série Castlevania Harmony of Dissonance. Dans le précédent épisode, on n'avait pas trouvé de boss, on avait trouvé le spellbook Bolt, on avait trouvé même une partie du corps de Dracula, on avait bien exploré, notamment on avait franchi le passage avec les Night Googles. Mais qu'est-ce qu'on va donc trouver dans ce let's play numéro 9? Allez, c'est parti pour la vidéo. Ouh, 146, 148 le bassinet. On bat les couilles, frère. Super, on prend ça. Allez, on prend le bassinet. On va pas nous bassiner. J'ai de moi à mon jeu. Moi, j'aime pas bien cette musique, elle me rappelle des mauvais souvenirs. C'était le secteur où toutes les bestioles me crachaient dessus. Là. Ah, exactement, c'est les bestioles que j'aime pas. Ah, c'est pas mal l'obénite pour ça. Voilà, à chaque fois que j'envoie de l'obénite, ça me fait perdre 5 heures. Là, je viens de prendre un conteneur de... Oh, sous skill. Eh ben... Toi, tu dégages. Allez, on avance. Pas trop ce qu'il y a ici, mais on y va. Une sauvegarde, c'est parfait ça. Nickel. Allez, où est-ce qu'on est? Non, ça j'aime pas. Oh, un boss. Un boss. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rééquiper du spellbook. On va prendre le bolt, ouais. Fridouille, mais qu'est-ce que tu racontes? Sérieux, t'as trop fumé ma gueule. Et on va essayer de combattre le boss. Et puis, eh bien, ce qu'on va faire après, eh bien, c'est qu'on pourra utiliser nos cœurs si j'ai plus de magie. On va sauter la direct. Qu'est-ce que c'est ce truc? Ah d'accord. D'accord. Ce que je vais faire en fait. Bon, qu'est-ce qu'il me fait lui? Ah c'est chiant que ça reste là le machin. Coincé là. Je ne touche pas comme ça. C'est énorme ça. Allez, il crève ou quoi? J'ai trouvé le spot là. Je suis sur sa gueule, il voit même pas cette nouille. Ah quelle nouille. Le mec il me voit même pas. Je suis en train de lui spammer la tronche. Il me voit pas quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a gagné comme... Hein? Oh là, voilà, encore une fois, on n'a pas gagné. Ah si, un life max up. Bon, c'est toujours ça, vous me direz. Ça aussi. Bon, nickel. Alors, où suis-je? Ah, j'ai pas été tout en bas là. Ah, mais au moins je vais pouvoir accéder à la zone où tout à l'heure je pouvais pas. Et voilà, il fallait que j'appuie sur le bouton. Ce qui fait que maintenant j'ai débloqué ce passage. On va aller à gauche là. On va voir ce qu'il y a ici. Ouh là 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 là, Jean-Maurice Tu pousses le bouchon un peu trop loin. C'est pas bon ça. Alors ouais, là je peux que monter. Bon, on va monter là. Là je peux aller à droite. Ouh là 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 là. Voilà, pareil. La technique du feignant. Alors là j'aurais pu utiliser tiens mon truc bolt là. Parce que ça m'aurait tout décapité d'un coup. C'est pas grave. Voilà. Allez, on descend. Il y a encore Jean. Maurice. Maurice a encore bouffé tous les chocos suisses. Allez, tu dégages, toi. Allez. Bon, on est allé là pour quelques items. C'était pas totalement inutile, mais c'était pas totalement utile non plus. Donc, là, je vais retourner totalement à gauche. Ouh là là. Vous le sentez, là? Allez, on va y aller à la mode. YOLO. C'est bon ça. Ouais, le Bluestone. Tiens, on va s'équiper avec le Bluestone. Le Bluestone, ça me permet d'attaquer du... Ça me permet d'additionner la glace à toute attaque faite avec le fouet. Ouais. Bon, bah,
Mais je sais vraiment pas à quoi ça sert. Non, la seule. Tu parles d'une attaque de glace. En tout cas, je fais des dégâts. Hein. 78. Bon, allez. On se casse. Ouh, des petits. Oh, il y a un truc là-haut là. Ouh là là, il y a un truc. Les hard gloves. Je te jure, ils sont homologués CE. Non, ça me sert à rien du tout là. Allez, voilà. Je fais pas dans la dentelle, moi, messieurs dames. Ah, tiens. C'était pas une statue du soi-disant qui pointe un passage secret, hein. Il dit que les yeux de la statue déesse pointent vers un passage secret. Ça m'intéresserait bien de voir si... Oh, c'est quoi ça? Ah, peut-être qu'il va reculer, lui. Putain, mais il meurt ou quoi? Est-ce qu'il y a un passage secret, alors? Eh ouais, il était là, le passage secret! Nickel! Oh! On a obtenu le Nail of Vlad. Le Nail, c'est l'ongle. Oh, punaise! On a bien fait de venir là, hein. Bon, il faut descendre, maintenant. Où est-ce que tout ça va... Oh, bah tiens, là on va pouvoir passer. Regardez comment on va faire. On va s'équiper du Crushing Stone et on va exploser ce mur. Bah, y a rien là. Donc on va se rééquiper maintenant avec autre chose de plus puissant. Je crois que c'était le Green Stone ou le Red Stone. Le Blue Stone par exemple. Et on peut continuer l'aventure. Ou pas. Voilà, parce que je peux pas passer en fait parce qu'il me faut un autre pouvoir qui me permet de pratiquement de voler là. 3, 2, 1. Donc ça veut dire que je peux pas aller ici. Donc où je suis? Je peux pas aller ici, donc on va devoir aller quelque part par là. Donc je vais mettre pause et je vais reprendre tout à l'heure. Bon, alors je me suis rendu ici pour essayer de passer à gauche. Ben oui, mais sauf qu'il y a un mur, je peux pas. Non, ça fait rien. Pas d'autre choix que d'aller au téléporteur. Parce que je peux accéder nulle part ailleurs. Là où je peux pas accéder, parce qu'il me faut la carte de Maxime, là, et j'ai pas. Donc, pas le choix. Obligé d'aller ici. Où l'avez-vous trouvé? J'avais jamais rien vu de ce genre. Allez, on est parti. On va aller voir qu'est-ce qui se cache à droite. Ah non, il y avait juste un cœur, d'accord. C'est toujours ça de prix. Ouais. Ah, dans un domaine que je n'ai jamais visité jusqu'à part avant. Ah bah tiens, là où je pouvais pas aller tout à l'heure, c'est là. Bon, il y a des items à aller chercher là-haut, mais là, malheureusement, je peux pas y aller. Donc on va pas y aller, parce que je peux pas y aller. Ah bah oui, c'est logique, si je peux pas y aller, on va y aller. Bon, qu'est-ce qu'on a ici? Une turquoise, ouais. Ouais, super. Bon, d'accord, bon. On va essayer d'aller là, parce que là, je pouvais accéder avec la Crushing Stone. Alors non, en fait, je peux aller là encore, j'ai jamais exploré. Donc on va y aller. À droite. Une salle de sauvegarde, tiens, c'est nickel ça. Ah tiens, je peux même continuer à droite encore, regardez ça. Ouh, il y a tout un domaine qui s'ouvre à moi. Alors, on va aller voir ce qu'il y a là. Tiens. Alors, comment je fais pour aller en haut de temps? Putain, je l'ai bien éclaté lui. Il y a quoi à droite là? Ouh, c'est un vrai labyrinthe cette caverne. On va aller voir ici. Alors, qu'est-ce qu'elle m'a lâché là? Non, je peux faire ça, moi. Il y a vraiment des armes qui servent à rien, j'ai l'impression. Non, je peux rien faire de plus, là. Si, il y avait une potion, ici. C'est tout ce que je pouvais espérer. Ah, tiens, donc, je crois que nous sommes dans une salle avec énigmes. Donne la solution, ouais, on sera plus vite arrivé. Fouillez-moi, si vous le voulez. Ouais, alors... Faites voir ici un peu, il faut que j'aille. D'accord, en fait il faut que je mette ici le parpaing là, pour pouvoir que ça reste ouvert.
Voilà. Alors si Passepartout est pressé, on est pressé aussi. C'est ça. Y'a rien là-haut. Ah ouais, d'accord, tout ça pour une life max up. Alors, où sommes-nous? Ah ouais, là juste au-dessus, je me demande s'il n'y a pas une salle secrète. Mais bon. Donc, on va essayer de continuer là-haut, là. Donc, je vais mettre pause et je vous retrouve tout à l'heure. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On a pas mal avancé dans cet épisode. Comme d'habitude, si t'as aimé, n'oublie pas de lâcher un petit like et un petit commentaire. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!